chante ? Allez, on revient à la chanson. Avec quelqu'un, oh, vous allez prendre beaucoup de plaisir à l'écouter, à le réentendre, parce que c'est quelqu'un avec qui on a avancé dans toute notre vie. Il s'agit de Christian Delagrange, qui vient pour votre plaisir chanter ses plus jolies chansons. Christian Delagrange ! Dans ton ventre, fruit d'un grand amour d'autrefois, j'ai grandi en toi, en ton antre, 9 mois durant et me voilà. J'ai fait en toi un long voyage, blotti dans le creux de tes reins, au chaud dans la fleur de ton âge. Tu me sentais bouger en toi. Le matin lorsque tu m'éveilles, quand tes yeux se posent sur moi, c'est comme le soleil qui pénètre dans la maison les jours de froid. Tu m'as appris de l'existence, à savourer chaque moment, le chant d'un oiseau sur la branche, la beauté du monde. Tu m'as enseigné l'ouverture, la tolérance et le respect, civilisation et culture. Tu m'as appris à les aimer. Tu as toujours été l'exemple, la référence pour ma vie, une héroïne, une battante, une mère mais une amie. Éduquer en patience, au plaisir simple de la vie, écouter parfois le silence, chanter et danser sous la pluie, de l'univers des choses divines, tu m'as appris le sens profond, la conscience pour rester digne. Face aux écueils de notre temps, tu vois, nous avançons ensemble. Et sur mon chemin aujourd'hui, je sais que tu seras l'exemple que je suivrai toute ma vie. Je me souviens comme tu étais triste lorsque j'ai quitté la maison, de manière sans doute égoïste, pour vivre mes rêves, mes passions. Tu sais, moi aussi, j'étais triste quand t'as quitté notre maison. Dernier adieu, salut l'artiste, pour rejoindre là-haut ta maman. Un plaisir de le retrouver. Je vous laisse l'applaudir encore. Tiens, Christian Delagrange est avec nous. Christian, oui, allez-y. Christian, après autant d'absence, viens me rejoindre un petit peu là. Tiens, viens t'asseoir près de moi quelques instants pour me parler un petit peu de toi, ce que tu deviens, ce que tu fais. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Alors tu n'habites plus la Belgique, hein, c'est une idée reçue, c'est ancien. Non, oui, hein. Non, j'ai séjourné 1 an et demi en Belgique. Ah oui, d'accord, mais tu étais dans le... Il y a 20 ans de ça. Dans le nord de la France à une certaine époque, non ? Non, c'était en Belgique justement. C'était aussi en Belgique, oui. Mais j'ai tellement d'amis de partout que finalement je suis un petit peu chez moi partout et à chaque fois... On a l'impression que je suis de là aussi. J'allais dire, c'est un peu le propre des artistes que de voyager, de faire des kilomètres comme ça tout le temps. Et j'en fais beaucoup des kilomètres parce que je fais aussi de l'humanitaire, donc je pars beaucoup, j'ai une ONG et je pars beaucoup à travers le monde aussi, dans 25 pays dans le monde. On va en parler, Christian. Il y a deux Christian Delagrange. Hein. Il y a le Christian Delagrange proche des hommes, par cette ONG dont il nous parlera dans un instant. Et il y a aussi Christian Delagrange, celui que vous connaissez, celui que vous chantez à la maison.
maison et qui est avec nous aujourd'hui. Ça fait combien de temps, je comptais ? Alors, tu vas me dire, il vaut mieux pas compter, mais ça a démarré en quelle année ? On peut toujours compter, mais ça a démarré en 70, avec trois disques. D'ailleurs, c'était sous un pseudo qui était Chris Galbert. Et donc, ça m'a appris à me remettre les idées en place dès le départ, parce que le premier avait très bien marché. Le deuxième, moyennement bien, gentiment. Et le troisième, on s'est ramassé. Donc, ça m'a permis... c'était un peu décrescendo. Oui, comme ça. Donc, sur un an et demi. Donc, ça m'a appris à être respectueux des gens, ça remet les idées en place, c'est très bien, c'est superbe. Et donc après, j'ai fait une rencontre avec un personnage très intéressant, qui chantait Arrête, ne me touche pas, je t'en supplie, pitié de moi, Patricia Carli, qui m'a écrit ma première chanson, Rosetta. Qui a connu le succès que l'on connaît, et Rosetta que vous chantez. Alors après, Sans toi, je suis seul, cite-nous quelques titres comme ça. Sans toi, je suis seul, Petite fille, Tendre Cathy, Première fille, première femme, il y en a beaucoup comme ça. Ouais. Et alors, cette idée justement de l'humanitaire, d'où est-il venu ? Alors, tout le monde se souviendra que le disco est arrivé et qu'on a été un petit peu bloqués, quelques-uns quand même, on était un petit peu au placard. Et j'avais une autre passion qui était celle de l'image. Et cette passion m'a permis de faire beaucoup de reportages, de faire des reportages à l'étranger aussi, de voir aussi des gens souffrir. Et quand on voit les gens souffrir, on ne revient pas indemne. On se sent obligé de faire quelque chose. Et c'est un témoin de la vie qui s'avance et qui dit, tiens, ton chemin, il est là. Ta voie royale est ici. Voilà. Ça veut dire qu'il faut apprendre à donner de son temps, il faut apprendre à être généreux. Oui, tout à fait. Et c'est ce que tu as essayé de faire. Tout à fait. Merci, Christian. Merci. On applaudit Christian Delagrange. Un autre chanteur. Oh, que vous chantez.